Bonjour mes gourmandises, aujourd'hui c'est Halloween, c'est le jour où les morts reviennent sur Terre, mais c'est aussi le White Paper Day de Bitcoin, puisqu'il y a 14 ans, jour pour jour, Satoshi Nakamoto publia le Livre Blanc, expliquant le premier système de paiement pair à pair, entièrement décentralisé, non contrôlé par des banques ou un État. Donc aujourd'hui, on va créer un fraisier Bitcoin. Vous allez voir, c'est très facile, c'est parti. Pour les ingrédients, on aura besoin de 125 g de farine, 25 g de maïzena, 300 g de sucre, du sirop de grenadine, un demi-litre de lait, 10 œufs, 350 g de beurre, de la pâte à sucre orange, de la pâte à sucre blanche, de l'arôme vanille et des fraises. On commence par séparer les jaunes et les blancs en mettant 6 blancs dans un grand saladier, 2 petits jaunes dans un petit verre et 4 jaunes dans un grand verre. À l'aide d'un fouet, on bat les blancs et on ajoute 200 g de farine, 200 g de sucre et les petits jaunes. On remélange le tout. On étale la moitié de la préparation sur du papier cuisson et on enfourne le tout à 11 minutes pendant 180 degrés. On découpe un disque de la taille de notre fraisier et on répète l'opération avec le reste de la préparation pour obtenir un deuxième disque. On passe maintenant à la préparation de la crème. Dans une casserole, on verse un demi-litre de lait, 100 g de sucre, les petits jaunes restants, 25 g de farine, 25 g de maïzena et de l'arôme vanille. On fouette le tout et on laisse chauffer jusqu'à ébullition. On arrête le feu et on rajoute 350 g de beurre mou. On mélange. On passe maintenant au montage. On dépose le premier disque dans le fond du moule que l'on badigeonne de sirop. On dispose les fraises coupées en deux sur le bord du moule. On verse le reste de fraises et la crème au centre du moule. On pose le deuxième disque de génoise, un peu de sirop, on imprime ensuite le logo Bitcoin, on étale la pâte à sucre orange, la pâte à sucre blanche et on vient ensuite découper le logo Bitcoin en suivant les contours à l'aide d'un couteau. On met la pâte à sucre orange et le logo Bitcoin sur le gâteau et on n'a plus qu'à laisser refroidir au congélateur. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi là maintenant tout de suite une avalanche de pouces bleus. Moi, je vous laisse en compagnie de mon fraisier. Je vous ai mis en description tout le matériel dont vous aurez besoin. Je vous ai également mis en description le lien pour le Livre Blanc. Si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le, c'est le moment. Je vous dis à très bientôt. Ciao !